Why am I looking at you? You're a picture in a frame. I make believe you're next to me, but I know it's not the same. Why am I looking at you? You're a pixel on a screen. Your animating principle is nowhere to be seen. Why am I lost in a loveless fantasy when somebody real is waiting out there for me? Why am I looking at you? I've enjoyed the years I've wasted, but the time has come to face the fact that none of what I see is true, so I'm gonna stop looking at you. Gonna stop looking at you. Oh. I keep a photograph in which we were in love, caught in your. Hola, mis amigos, ¿cómo estáis? Espero que estáis bien. Yo de mi lado estoy muy bien. Bon, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler en espagnol tout au long de cette vidéo parce que je sais déjà que vous ne parlez pas espagnol, en tout cas pour la majorité. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici quelques semaines, vous allez quand même pouvoir parler un peu d'espagnol et vous allez pouvoir comprendre ce que votre interlocuteur vous dit lorsque vous voyagez par exemple. Bon, aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite initiation à la langue espagnole. On va parler d'un verbe, en fait des deux verbes basiques de la langue espagnole. Mais avant que je vous parle de ça, il faut que je mentionne que je vais faire le début de cette vidéo en français, c'est-à-dire que je vais expliquer en français, ensuite je vais expliquer en arabe, parce que mes abonnés, il y en a ceux qui parlent seulement français, d'autres qui parlent seulement arabe, donc je vais essayer de satisfaire les deux côtés. Il vous faut un petit cahier, un stylo, pour que vous marquiez un peu ce que Alors, je vous dis. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des deux verbes de base de la langue espagnole, le verbe ser et le verbe estar. Tous les deux, ils sont comme le verbe être dans la langue française, mais ils sont un peu différents. Je vous explique. Par exemple, le verbe ser, quand je vous dis par exemple « tu eres guapa », ça veut dire « tu es belle ». Ça veut dire le verbe ser, il va décrire la personne. Mais le verbe estar, si je vous dis « tu estás guapa esta noche », ça veut dire « vous êtes belle ce soir ». D'accord? Donc, le premier, le verbe ser, ça veut dire la personne est belle à la base. Mais le verbe estar, la personne est aujourd'hui belle exceptionnellement ou cette soirée elle est belle. Je vous donne un exemple. Par exemple, dans la langue française, je peux dire mon frère est médecin et aujourd'hui il est très fatigué. En espagnol, la traduction, ça serait mi hermano es médico, pero hoy está muy cansado. Ça veut dire que on a utilisé le verbe ser pour dire que mon frère il est médecin, mais on a dit on a employé le verbe estar pour dire que mon frère il est fatigué aujourd'hui. D'accord? Vous voyez un peu la différence? Mais bon, je vais vous montrer un peu la conjugaison rapidement et je vais vous prononcer tout ça. Et vous avez besoin en fait de petits bloc-notes pour marquer tout ça. Alors, en espagnol, yo soy, ça veut dire je suis. Vous avez la traduction ici en français. Ensuite, vous avez la prononciation. Ça s'écrit comme Y-O, mais ça se prononce yo soy. Comme ça, D-J-O, yo soy. D'accord? Donc ça, ça veut dire je suis. Après, on a tu eres, tu es. Tu eres, ça s'écrit T-O-U, d'accord? Donc le T-U, ça se prononce comme OU, tu eres. Ici, j'ai mis deux S-E, parce que si vous marquez, par exemple,
Si vous écrivez seulement ça, tout RS, après c'est sûr que vous allez oublier que ça se prononce comme ça, RS, parce que vous êtes francophone à bon, la base. On va continuer avec elle, ella, es, il, elle, est. Donc, comme ça aussi, ça s'écrit, ça se prononce plutôt elle, ella, es. Ensuite, on a nosotros somos, nous sommes. Nosotros somos, ça s'écrit comme ça se prononce. Ensuite, on a vosotros sois, vous êtes. Vosotros, sois, ça s'écrit comme ça se prononce. Ensuite, on a ellos, ellas, son. Ils, elles, son. Ellos, ellas, son. Ensuite, on a ustedes, son. Et ça s'écrit quand même comme ça se prononce. Enfin, ça se prononce comme ça s'écrit plutôt. Bon, vous allez sûrement vous demander, ça veut dire quoi? Ustedes es et ustedes son. Ustedes, pardon, et ustedes son. Je vais vous expliquer. Par exemple, ça, en fait, on emploie ça pour... c'est comme une forme de respect. Si vous voulez vous adresser à une personne, vous voulez, là, par exemple, là, vous voyez, on ne dit pas « vous ». En espagnol, on ne dit pas « vosotros ». On va lui dire « usted ». D'accord ? Et « ustedes », on l'emploie lorsqu'on s'adresse à un groupe de personnes... que vous respectiez, par exemple lors d'un meeting, vous allez vous adresser à un groupe d'employés, vous allez leur dire « ustedes ». C'est bon, donc j'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Après, on va passer au verbe... excusez-moi. Oups. On va passer au verbe « estar ». Donc, marquez toujours ce que vous allez voir sur le bloc-notes. Bon, désolé parce que j'oublie souvent de mettre le T dans il et elle en français. On dirait que je réfléchis beaucoup en espagnol. Bon, voilà, on a rectifié la faute. Bon, le verbe estar, comme je vous ai dit, ça s'emploie juste pour définir la situation actuelle ou une situation passée, mais genre une situation temporaire. D'accord? Donc, on dit « yo estoy », je suis « yo estoy ». Ça se prononce comme ça. Donc, n'oubliez pas de marquer « D-J-O ». Ensuite, on a « tu estás », tu es. « Tu estás », on a dit que le « u », ça se prononce comme « ou ». Ensuite, on a « él, ella, está », il, elle, est. « Él, ella, está ». Ensuite, on a « ustedes ». Nosotros estamos, nous sommes, nosotros estamos, vosotros estáis, vous êtes, vosotros estáis, ça s'écrit comme ça se prononce, ellos, ellas están, ils, elles sont, ellos, ellas están, ustedes son. Donc j'espère que c'est vraiment clair. Comme je vous ai dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Moi je vais m'arrêter là. Et voilà, j'espère que c'est assez clair pour vous. Si c'est flou pour vous, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Ça me fera plaisir de vous éclaircir. Maintenant je vais expliquer en arabe pour les arabophones. Bon, دروك غادي نفهم باللغة العربية بالنسبة للناس اللي ما يفهموش اللغة الفرنسية. لا فيديو تاع اليوم بديت فيها ندير برك مقدمة تاع تعلم اللغة الإسبانية اللي بديت فيها نعلمكم الفعلين الرئيسيين في تاع اللغة الإسبانية اللي هما الفعل سير والفعل استار. الفعل سير هو يقول لنا الشخص كيفاش هو. باغ اكزوم نقول واحد باغ اكزوم اون في نقولها تو ايريس غوابا، زعما انت جميله، انت ديجا على باز ربي خلقك جميله. مي كون نقولها باغ اكزوم تو استاس غوابا استا نوتشي، زعما نقولها هاد السهره راكي شابه، زعما حاجه مؤقته، راكي شابه في هاد السهره، ماشي انتي يا شابه. مش عارفه الا فهمتوا الاختلاف اللي بين الفعلين.
وبغيت تاني نقول لكم واحد الحاجه على كي تشوفوا في لا كونجوغيزون هنايا كاين جو تو ال ايجا اوستي اوستي هذه ما كاينه لا في اللغه العربيه لا في اللغه الفرنسيه كاينه برك في اللغه الاسبانيه اللي هي معناها كي تحترم انسان ما تقولهش انت ديريكتومون تقول له باغ اكزومبل ما تقولهش تو غادي تقول له اوستي وكي تكون تاني في ان جروب تاع اشخاص مجموعه اشخاص وتبغوا تقولوا لهم تبغوا تصادي هاد الاشخاص تحترموهم قادر يكونوا اشخاص مسنين ولا اشخاص يخدموا معاكم تقولوا لهم استاذس. بون انا دروك كملت لكم الشرح تاع الاختلاف بين الفعلين وفهمتكم لا كونجوغيزون تصريف الفعلين في الفعل في الحاضر. قالكم دروك غير تروحوا تعاودوا تولوا في لا فيديو وتكتبوا هاد التصريفات وتحفظوهم باركور باسكو الا ما حفظتوش هاد الفعلين وهاد لي كونجوغيزون كي شغل ما درتو والو كي شغل ما تعلمتوش الاسبانيول باسكو هادو هما لا باس تاع الاسبانيول دونك حفظوهم ومن بعد في لو كور جاي نبدا نستعملهم لكم في جمل وغادي تتعلموا ان شاء الله تهضروا الاسبانيول. Anna, je vais essayer de mettre au moins deux vidéos par semaine de la série d'apprentissage de la langue espagnole. Donc, restez branchés. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et je vous dis ciao, au revoir, à la prochaine vidéo. We've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known.